bien, ça y est, mesdames, messieurs, ça y est. La fondation DLT est enfin chez vous. Alors, une conférence kinesthésique, qu'est-ce que c'est? What is it? What is das? Comment ça marche? Vous ne serez plus de passifs spectateurs auditeurs, mais vous deviendrez des spectateurs auditeurs acteurs. La place de la voix chantée dans la musique française de la préhistoire à nos jours. Nous nous intéressons plus précisément à la voix. Christophe, faites-nous l'homme de Néandertal. Eh bien, mesdames, messieurs, nous arrivons à notre première expérience de kinesthésie participative. Fondation DLT. Fondation DLT. Fondation DLT. Qui dit conférence dit chapitre suivant. L'opéra fait son apparition. L'opéra du 19e siècle. Nous sommes plus précisément en présence de la très célèbre barcarolle dès le nuit aux nuits d'amour de l'acte de Giulietta, typique de l'opéra romantique de cette époque. Nous avons décidé d'aborder un genre plus populaire. Quand son boulot s'achève, elle s'en va faire un tour sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon âme. J'ai les cils qui se défilent, les sourcils qui s'épilent, j'ai le menton qui est trop long, les artères trop épais, j'ai le nez tout bouché, tout du cou qui se découvre, et du coup, voyez-vous, je suis gêné pour parler, c'est vexant, car maintenant je suis forcé de m'arrêter. Ah mon Dieu, que c'est embêtant d'être toujours de matraque, ah mon Dieu, que c'est embêtant, je ne suis pas bien content. Nous ne pourrions conclure cette conférence sans aborder le genre le plus moderne de la chanson française, l'électro-danse. Et je remets le son. Et je coupe le son. Pour moi, la kinesthésie. Et je remets le son. Et je coupe le son. Pour démocratiser.